Hôpital militaire de Verdun, mardi 10 octobre 1916. 13h54, 8 degrés, 980 hectopascal. C'est la Saint-Ghislain, mais surtout, surtout, c'est la sale guerre. Tout ce sang, ça me donne envie de manger du boudin. Freista pleci, numa numa ye, numa numa ye, numa 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 ye, dio din taeske, vredun taliste, amincek de oti fe, maia u, maia he, maia u. J'espère que ça va se calmer, c'est mon dernier flacon d'alcool. Ah! Je veux pas crever là. Mais non, il va pas crever, on est à une heure de grande écoute. Bon. Alors, comment il s'appelle? C'est quoi son petit nom? Caporal Victor Lebrun. Bon, et le caporal Victor Lebrun, il a son carnet de santé? Non, évidemment. Hein. Il en est où pour les vaccins? Il a perdu mon bras! Et les gars, il manque le bras droit, là! Oui, bon, ça va, ça va. Il est allergique à quelque chose? Le pollen, les acariens? Et les cacahuètes? Règles douloureuses? Qu'est-ce qu'il lit là-bas sur le panneau? Non, c'est pas un A, c'est un V, ça se voit tout de suite, hein. Oh, bon. Les salauds d'Allemands, ils m'ont pris ma baïonnette! Il va prendre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la morphine? Ah, mais non, c'est pas de la morphine, les caisses sont vides, moi j'ai plus rien, ça c'est juste des pastilles Vichy, hein. Excusez-moi, mais c'est pas un petit peu tôt pour Vichy, là? Ça viendra, vous savez, hein. On le part! Salaud! Donnez-moi du chocolat, plutôt! Ah non, pas de bras! Ah, ah la salle! Ah, écoutez, moi j'ai tellement mal. Et vous êtes tellement belle. Oh, comment vous vous appelez? Adriana. Oh, Adriana, c'est tellement beau, Adriana! Adriana! Oh. Prenez une pastille Vichy, croyez-moi. Oh, c'était pas notre guerre, colonel! Non! Aïe, 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 aïe! C'est pas vrai, encore? Ma chaîne! Aïe, aïe, aïe! Rends-toi! C'est ma baïonnette, ça! Et ça, c'est mon bras! C'est mon bras! Rends-moi mon bras! Mon bras! Qu'avec respect, toute l'Espagne admire! Mon bras, qui tant de fois m'a fait, merde, trahir cet empire! Tant de fois! Enfermi le trône de mon roi! Trahis donc ma querelle! Et ne fais rien pour moi! Rends-moi mon bras! Et ma baïonnette! Et l'Alsace et la Lorraine! Ah, bon petit bonhomme! L'Alsace et la Lorraine seront bientôt une seule et même région! Jamais! Hémorragie artérielle! Bravo, maintenant va y en avoir partout! Heureusement que la croix, il n'y a pas mieux pour tout désinfecter! Ah, chine! Moi d'abord, je crie plus fort que lui et j'ai plus mal que lui! Tu cries plus fort parce que tu es une chauchotte! Ein, zwei, drei! Come on, Bobby, let's go, Bobby! Tu verras que je recommence! Je vais te tuer, salopard! Mais ça se fait maintenant! Qui veut une fessée? Moi! Non, ça c'est trop tôt! Hein? De toute façon, vous en avez pourri tous les coins champignons avec votre guerre de merde, là! On va en entendre parler pendant au moins 100 ans! Et puis moi, je peux pas vous soigner, j'ai plus rien! Les caisses sont vides, j'essaie de faire appel au donateur, mais personne ne me répond, personne ne me voit, je ne sais pas quoi faire! J'ai plus de seringue! Bah, change de fringue! Mais j'ai plus de morphine! Monte ta poitrine! J'ai plus de médoc! Pense à leur froc! Mais j'ai plus de compresse! Monte leur tes fesses!
écoute, ça commence à bien faire maintenant. Hein. Tu vas écouter maintenant le Capoal Karl Lagerfeld. Hein, parce que c'est comme ça qu'il faut écouter. Tu as compris? Tu vas écouter maintenant Karl Lagerfeld. Écoute-le bien, hein, c'est très important. Est-ce que tu veux renflouer les caisses de l'aquarouge? Mais oui, c'est ça que je veux faire. Alors, tu vas te bouger ton petit popote, hein, ma cocotte. Déjà, tu vas changer cet accoutrement. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Un sac à patates. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est mon uniforme. C'est ton uniforme. Tu sais, hier soir, j'étais au Reichstag avec tout le gratin berlinois. Nous avons fait une petite sauterie. Nous avons fait ça, une petite sauterie. Bien le videur n'aurait jamais toléré une tenue pareille. On dirait Mireille Mathieu lors de sa première communion. Rien à voir. Enlève-moi ce tablier, on dirait une bouchère. On dirait qu'il va me servir de la bavette. Et tes cheveux, pourquoi sont-ils cachés sous un chiffon? Mais c'est pour les microbes, ça. On se fout des microbes ici. Tout le monde a la malaria, le typhus, peut-être même la tuberculose. Maintenant, tu vas marcher. Marche! Oui, c'est joli, ça, très bien. Sors ta poitrine, sors tes fesses, rentre ton ventre, voilà, on n'est pas au Super U ici, là, voilà, très chaud. Chune! Là, oui! Ah, chune, tu commences vraiment à ressembler à une femme de footballeur, là, hein? Oui! Tu veux des bandes? Il faut qu'ils bandent! Musique! Adriana défile pour la voix! Et porte un ensemble en popeline de coton. Faites appel à votre générosité et à votre testostérone. 1 euro, c'est quoi? 1 euro, c'est un jour de soin pour un blessé de guerre. 1 euro, c'est un vaccin anti-tétanique. Et 1 euro, c'est aussi un Santiago Bogota avec Pékin Express. Alors vous aussi, préférez les premiers secours aux derniers sacrements. Voilà, soutenez la Croix-Rouge. Applaudissements pour Antonia! Antonia, bravo! Quel bon moment! Avec Florent Père également, qui joue à l'Européen, je vous le rappelle, jusqu'au 26 juillet, et Guillaume Santou, actualité de Guillaume sur garnier-santou.com. Je le dis rarement, en fait, mais si vous prenez autant de plaisir à regarder cette émission que j'ai à la présenter, vous devez passer un très très bon moment. Ah ouais. Là, mais... Je crois qu'on a touche. Dès qu'on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses. Alors abonnez-vous.